même lorsqu'il s'agit de cas anciens, dont on peut se dire personnellement innocent, nous souhaitons assumer le fait que l'Église n'a pas su se démarquer de la culture de l'époque, qui était une culture du silence ou du déni, et où on cherchait avant tout à protéger l'institution. Ce que l'on peut noter en positif au cœur de ce drame, c'est que de plus en plus de personnes arrivent à parler. La paix de Christ a donné à Pauline Jéricot la sérénité, la patience et le courage d'affronter les difficultés physiques, les calomnies et les humiliations. C'est la paix de Jésus. Nous avons médité sur trois dons. Le don de la parole de Jésus, le don de l'Esprit Saint et le don de la paix de Jésus. Quiconque reçoit ces dons avec joie devient un amoureux de Jésus, un missionnaire de l'Église, un frère ou une sœur de pauvres et un instrument de fraternité universelle et de paix. La bienheureuse Pauline Jéricot est devenue tout cela parce qu'elle a accueilli les dons de Dieu. À présent, c'est notre tour.